Et on attaque cet avant-dernier Allo les stars de la semaine avec Jean-Pierre Bacri. Perso, j'ai rien contre le partenaire de scène de Marianne, mais les chanteurs qui se mettent à faire du théâtre, ça va, quoi. Ça m'énerve, ça. Déjà qu'on a eu Johnny et Eddie, maintenant, il va falloir qu'on se fade aussi l'autre Sardou, là. Bonjour le calot, hein. Qu'est-ce qui va nous rester, nous, les vrais comédiens, hein? Est-ce qu'on les fait chier, nous, à aller chanter à Bercy ou à l'Olympia et à leur piquer leur boulot, hein? Non, hein, bah, qu'ils fassent pareil, ouais, ça me gonfle, ça. Et putain. Alors, donc, la solution, Jean-Pierre Bacri? Solution. Que Marianne dégage Sardou et qu'elle m'engage à sa place. Comme ça, quitte à jouer avec un mec qui fait la gueule et qui grogne tout le temps. Voilà, au moins, elle aura le number one. Et moi, ça me fera du pognon. Ouais, Daniela. Eh ouais, c'est sûr. Appel bon suivant. Bon casting, ça, ouais. C'est une très bonne idée. Ah ben, vas-y, alors. Allez, bonjour. Bonjour. Si, Sigolé. Moi, j'appelle pour féliciter Madame Chazelle. La féliciter chaleureusement, même. Pour sa carrière? Non. Pour ce téléfilm? Non plus. Pour avoir accepté notre invitation ce midi, alors? Mais pas du tout, Madame Lombroso. La féliciter, car dans sa pièce, son personnage de femme cocufiée ne s'abaisse pas en guise de représailles, a publié un torchon nauséabond et fielleux, hein, comme certains pitbulls ménopausés ont pu le faire par le passé, pour enquiquiner mon François. Alors rien que pour ça, merci pour ce moment, Madame Chazelle. De rien, Madame Royal. Appel suivant. Bonjour, n'est-ce pas? C'est Jean-Marie Le Pen. Vieux monsieur honteusement spolié par la félonie galopante d'une rejetonne ingrate. Mais qui n'en reste pas moins un patriote, n'est-ce pas? Que la filmographie nauséabonde de Madame Chazelle Marianne est riche au plus haut point, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'elle a, sa filmographie? Elle a que c'est une ode à l'immigration de masse qui ravage notre belle terre de France, Madame Le Bonjour, hein? J'en veux pour preuve, n'est-ce pas? Les visiteurs, la gitane, et bien sûr les tristement célèbres bronzés. Alors, je n'aurai qu'un mot, n'est-ce pas? Boycottons la propagande cinématographique de cette matahari crypto-socialiste et entrons en résistance, n'est-ce pas? Marcha, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Marianne Chazelle qui est morte de rire. J'adore votre rire, hein, Marianne. Ça fait très bon. C'est un petit rire de souris. Je cherchais le chat tout à l'heure, je ne voyais pas. Allez, on termine aujourd'hui avec l'immense Charles Aznavour. Babouille, la bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Voyez-vous, dans ce métier, il ne suffit pas de faire carrière. Encore faut-il faire une longue carrière. Et votre invitée fait une longue carrière. En plus, elle ne se contente pas d'un seul registre. Elle multiplie les sujets graves, comme la vieillesse, la maladie, les pertes de mémoire. C'est pourquoi je voudrais la féliciter pour son courage, peut-être. Voilà, oui. Son courage. Car votre invitée a du courage. Entamer une carrière de comédienne alors qu'elle vient juste d'abandonner la présentation du 20h sur TF1. Ça, c'est audacieux. Alors bravo, Madame Marie-Claire Chazelle. Et merci pour tout. Non, je n'ai rien oublié. Merci, monsieur Charles Aznavour. Et merci à Thierry Garcia qui a fait tellement rire Marianne Chazelle. Hein. Très mignon, ce petit rire. Compliqué de savoir quand il faut s'arrêter. Moi, je me suis retenue. J'ai essayé de ne pas rire pour qu'on entende le rire de Marianne. Ouais. Parce que je trouve que excellent. Vous avez un rire extrêmement drôle. Allez, c'était Allô les stars qu'on retrouvera évidemment demain à 12h40 dans France Bleu Midi Ensemble.